Welcome to Hard Talk. I'm Stephen Sacker. Voters around the world are expressing their disgust with politics as usual. Think Trump, think Brexit, and think about my guest today here at the European Parliament in Strasbourg, Marine Le Pen, the leader of the far-right National Front Party in France. She is going to be a key player in next year's French presidential election. Could she send shockwaves around the world and actually win the French presidency? Marine Le Pen, welcome to Hard Talk. Merci. Let me ask you a very broad question. Do you see yourself and your political movement as part of a worldwide phenomenon? I'm thinking of Donald Trump in the United States. I'm thinking of the vote for Brexit in the United Kingdom. Do you think something is happening which the Front National, your party, is a part of? Oui, la réponse est oui. Il se passe quelque chose dans le monde. L'émergence des peuples et de la volonté des peuples contre des puissances, soit supranationales politiques comme l'Union européenne, soit des grandes puissances financières, contre un système qui, depuis trop d'années, défend des intérêts particuliers et a oublié précisément de défendre l'intérêt des peuples. C'est l'émergence de Trump, c'est l'émergence de Sanders aussi, pas seulement de Trump. C'est le Brexit, ce sont tous ces référendums au sein de l'Union européenne qui marquent un rejet de l'Union européenne au Danemark, aux Pays-Bas, prochainement en Hongrie, là il y a quelques jours, prochainement probablement en Italie. Voilà, il est en train de se passer quelque chose qui est fondamental, qui est le grand retour des nations, des États-nations avec des peuples, des frontières et cette volonté de maîtriser leur destin de la part de peuples qui ont été privés de cela pendant longtemps. Well, let's focus in on the impact of the Brexit vote in the UK. You described it as the most important event since the fall of the Berlin Wall. Do you really believe that France wants Frexit in the way that the British people voted for Brexit? Oui, j'ai dit et je le crois que c'est l'événement le plus important depuis la chute du mur de Berlin. En quelque sorte, la Grande-Bretagne, par ce vote, a commencé à déconstruire ce que j'ai appelé le mur de Bruxelles. Ce mur qui enferme les peuples et qui leur impose une politique dont ils ne veulent pas. Moi, je l'ai clairement dit, quand je serai élue présidente de la République, j'irai vers l'Union européenne en disant « je souhaite retrouver quatre souverainetés essentielles ». La souveraineté législative, nos lois sont supérieures aux directives de l'Union européenne. La souveraineté territoriale, nous décidons qui vient et qui se maintient sur notre territoire. Nous voulons des frontières. Troisièmement, la souveraineté économique et bancaire. J'ai le droit de faire du patriotisme économique si je le souhaite. Et évidemment, la souveraineté monétaire. Your problem is that all of the polling evidence since the Brexit vote is that the French people do not actually want to leave the European Union. In fact, more French people today say that they want to remain inside than before the British vote. So you're actually not expressing the will of the French people. Vous êtes britannique et vous croyez au sondage? Il me semblait pourtant que dans cette affaire, les sondages s'étaient totalement trompés sur le Brexit. Bon. Et si à l'issue de cette négociation, l'Union européenne me dit non, alors je dirais aux Français, il n'y a pas d'autre possibilité que de sortir de l'Union européenne. Car toute la politique que vous voulez voir mener. Forgive me for interrupting, but why would the French people look across the channel at Britain and want to follow Britain when we see that the British pound is now at historic lows against international currencies? We see huge uncertainty, which is provoked by businesses in Japan and across the world saying that they are now very concerned about staying in Britain and might well leave. Why would the French want to follow that model? Vous croyez pas qu'il est temps d'arrêter la propagande? Ça y est, ils ont voté.
C'est plus la peine de nous expliquer que ça va être la catastrophe, que ça va être l'invasion de sauterelles, que la Grande-Bretagne va être emportée par un tsunami. La Grande-Bretagne ne s'est jamais aussi bien portée sur le plan économique. Jamais la confiance des ménages n'a été aussi haute. Jamais les exportations n'ont été aussi importantes. Alors, moi, je veux dire, tous les débats consistant à nous dire que si jamais, les entreprises partiront, elles ne partiront pas, car elles ont tout intérêt à rester en Grande-Bretagne, car l'économie britannique se porte mieux aujourd'hui qu'elle ne se portait hier, et surtout, permettez-moi, elle se porte beaucoup mieux que celle de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Britain hasn't actually left the European Union yet, and all of the indications are that the next 2 years are going to be extraordinarily difficult for the UK government. Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux par rapport à l'avant-Brexit. Bien sûr que ça a déjà eu lieu. Les marchés réagissent le jour J, exactement comme si le Brexit avait déjà été signé. En fait, la Grande-Bretagne va négocier avec l'Union européenne. En fait, l'Union européenne ne peut pas se permettre de mettre à exécution les menaces, les chantages qu'elle avait effectués à l'égard de la Grande-Bretagne. Et tout ça va se passer le plus tranquillement du monde. OK. Let's examine another key plank of your platform going into the 2017 election season. Not only are you telling the French people that you want to pull out of the European Union, you're also telling them that you want to halt immigration into France. The truth is, you have consistently exaggerated the scale and the impact of immigration into France. Ah bon? Ben, ça n'est pas ce que disent les Français. Voyez-vous? Les Français qui, à la différence de vous et peut-être d'un certain nombre d'autres observateurs, vivent en France. La réalité de l'immigration en France, elle est catastrophique. Et elle est d'autant plus catastrophique. You call it a tsunami, but it is not a tsunami. Compare France and Germany, for example. Last year, France took, what was it, about 70,000 asylum-seeking immigrants. Germany took half a million. Alors, je n'ai pas parlé de tsunami, j'ai parlé de submersion. Voilà, le terme est très clair. De submersion migratoire. Ce que vous semblez ignorer, c'est que avant même 70,000 people seeking asylum in France, that's not being submerged. Mais c'est faux. Mais ceci est un mensonge d'État, enfin, monsieur. À Calais, il y a quelques semaines, il y avait 2500 migrants. Aujourd'hui, il y en a entre 11 et 12 000. Vous croyez qu'ils viennent d'où exactement? Vous croyez que ça n'est pas une submersion, que ça n'est pas l'élément révélateur de ce que nous sommes en train de vivre? Car ce que vous semblez ignorer, ou ce que vous ne voulez pas voir, c'est que ces nouvelles vagues de migrants arrivent sur une autre immigration très importante qui existe déjà en France depuis des années. Je vous signale qu'en France, 200 000 migrants légaux par an, ça fait 1 million par quinquennat. Vous pouvez rajouter à cela au moins autant de clandestins. Jamais personne n'est renvoyé dans son pays. Jamais personne, même ceux qui n'obtiennent pas d'ailleurs le droit d'asile. 5% seulement de ceux qui n'obtiennent pas le droit d'asile sont renvoyés chez eux. Donc en réalité, tout le monde arrive sans aucun droit. Et même lorsqu'on leur explique qu'ils ne peuvent pas rester, eh bien, ils restent quand même. Et tout cela, eh bien, fait une masse d'immigration d'autant plus importante et ingérable que nous avons 7 millions de chômeurs, que nous avons 1,5 million de Français qui attendent un logement social. You say people come with no rights. Of course, that's not true. If people are fleeing persecution and war, they do have rights under international law. And 2 years ago, you said, send them all back home, even to countries at war. But you know that that is a clear violation of the Geneva Conventions of international law. Is that your message to the French people, that you're prepared to violate international law? Non. Nous ne sommes pas aujourd'hui confrontés à des gens qui peuvent bénéficier du droit d'asile. C'est faux. L'immense majorité d'entre eux sont des jeunes hommes entre 20 et 40 ans qui sont des migrants économiques. Pour ceux qui fuient les pays en guerre, il faut mettre en place des campements humanitaires dans leur pays, sous protection internationale. Mais nous ne pouvons pas les accueillir chez nous. Nous n'en avons pas les moyens. Nous n'en avons pas les moyens. Concernant ceux, qui sont dans des pays en guerre, le simple fait d'être dans un pays en guerre ne suffit pas à obtenir le droit d'asile. Le droit d'asile est très clairement défini. C'est le fait d'être persécuté pour ses opinions par le gouvernement
du pays dont on a la nationalité. Or, ceux qui sont persécutés par le gouvernement de Bachar al-Assad aujourd'hui, ce sont les membres d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Vous voulez qu'on les accueille dans nos pays ? Moi, je ne le souhaite pas. En réalité, ce sont des réfugiés de guerre. Il y a 240 millions de personnes qui vivent dans des pays en guerre. On va tous les accueillir ? Most politicians say they want to unite their countries. You appear to want to divide yours with the language you use, and not just you, but your party. I mean, right now there are Front National councils who are declaring themselves immigrant-free zones. You, not so long ago, talked about Muslims being seen praying in the streets as equivalent to the feelings French people had during the Nazi occupation. The language you use is the language of division. Is that what France wants? Mais pas du tout, monsieur. Ce qui divise la France aujourd'hui, c'est l'arrivée massive de migrants. Ce qui divise la France aujourd'hui, ce qui crée un sentiment profond d'injustice, c'est quand nous avons des sans-domicile fixes par milliers dans les rues, à qui on dit on ne peut pas vous loger, alors qu'on trouve, en claquant des doigts, des dizaines de milliers de logements pour les migrants. Moi, ma responsabilité de dirigeante française, c'est de penser d'abord et avant tout au bien-être de mon propre peuple, à sa sécurité, à sa prospérité. Vous voulez me donner des leçons d'humanitaire ? Mais allez à Calais, monsieur, allez à Calais, regardez ces dizaines d'enfants livrés à la prostitution, regardez les viols qui s'y déroulent, regardez les conditions inhumaines dans lesquelles vivent ces gens. Et vous allez me dire que ceux qui veulent les faire venir, ce sont eux les humanistes? Non, ce sont nous les humanistes. I talked about exaggeration. Seems to me, even in this interview, you are exaggerating again. And when you talk about security, you clearly imply that the migrants who are coming to France are bringing with them terror, bringing them the ideology of the Islamic State. But the truth is, look at France's recent terror attacks, and God knows they have been terrible. But the terror attacks, in the main, have been the work of French citizens, men born in France or in neighboring Belgium. These are the people. So unless you're suggesting that they all be thrown out of the country, I don't quite see the connection with security. Monsieur, aussi, les attaques des fondamentalistes islamistes sont aussi le fait de Français nés chez nous. Faut-il pour cela rajouter les soldats de l'État islamique qui se glissent dans les couloirs d'arrivée des migrants? Vous allez me donner des leçons de morale à moi, française, alors que dans l'épouvantable attentat du Bataclan, trois des terroristes avaient suivi la route des migrants. Par conséquent, monsieur, nous avons effectivement un problème de fondamentalisme islamiste à gérer en France, qui est la conséquence du laxisme et de l'aveuglement de nos dirigeants depuis 30 ans. Nous n'allons pas rajouter à ce problème très lourd le problème, effectivement, de terroristes qui se glissent à l'intérieur des cortèges de migrants. Some of your own supporters feel that your messages have become mixed in recent months. For example, you told a French TV channel recently that, quote, Islam is compatible with the values of the French Republic. So if that is true, some of the rhetoric that you have used in the past seems to be now something you have abandoned. So which Marine Le Pen is it today? Is it the moderate Marine Le Pen who says that Islam is compatible with the French Republic, or the Marine Le Pen who talks about Muslims praying in the streets being like the Nazi occupation? Je ne vois pas le rapport, monsieur. Les prières dans les rues, c'est l'expression du fondamentalisme islamiste que je combats de toutes mes forces et qui trouvera devant lui une dirigeante de la nation française absolument inflexible et déterminée. Je ne combats pas l'islam comme religion, je combats le fondamentalisme islamiste. Je vous lance un défi. Essayez donc de trouver une incohérence dans mes propos. J'ai toujours tenu le même discours. Je considère, je crois à la liberté des cultes. Je pense que chacun en France a le droit de vivre librement son culte dans le respect de la loi et des valeurs de la République française. If I may, Madame Le Pen, let me test you then. Let me quote you the words of your own niece, Marion, who of course is now an MP here in France. She said, we are not a land of Islam, and if French citizens
can be Muslims. It is only on the condition to submit to the habits and ways of life that the Greek, Roman influence and 16 centuries of Christianity have shaped in our country. Do you agree with that? D'abord, moi, c'est Marine Le Pen. C'est moi qui suis candidate à l'élection présidentielle. Deuxièmement, je crois qu'il faut être sûr de ce que nous sommes. Nous sommes issus d'une civilisation qui puise ses racines dans les préceptes chrétiens. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous croyons au libre arbitre. Et c'est parce que nous croyons au libre arbitre que nous considérons dans nos pays qu'on a le droit de changer de religion. Les fondamentalistes islamistes, eux, considèrent qu'on n'a pas le droit de changer de religion sous peine de mort. C'est parce que nous croyons au libre arbitre que nous sommes opposés au mariage forcé. Eux, ils considèrent qu'il n'y a pas de libre arbitre individuel. C'est parce que en France, nous puisons nos racines dans cet héritage chrétien que nous avons choisi la laïcité. Ça vous dépasse, ça dépasse une série d'autres pays dans le monde parce que c'est une spécificité très française auquel nous sommes éminemment attachés et qui nous fait dire que la religion est affaire privée et que cette religion ne peut pas s'exposer ou s'imposer dans la sphère publique. Je suis très française en quelque sorte en défendant ça. I understand the, I think, I hope I understand the values of the Republic and one of the three key values of the Republic is liberté. Now, where is the liberty in you telling Muslim women that they cannot go onto the beach covered in a way that they would like to be covered? Where is the liberty in that? Mais monsieur, c'est une violation, encore une fois, de tout ce à quoi nous croyons. Ce burkini n'est pas un maillot de bain. Ce burkini, c'est un uniforme. C'est un uniforme fondamentaliste islamiste. Ça va à l'encontre de tout ce que nous croyons de la place de la femme. Vous pouvez sourire, mais moi, la place de la femme dans la société, ça m'importe. Moi, les droits des femmes, ça m'importe. Moi, le fait que les femmes ne soient pas reléguées sur le plan vestimentaire pour après peut-être être reléguées sur le plan, légal. The French beaches are those of Brigitte Bardot. That sounds absurd to many people. I mean, why can't women decide whether they want to look like Brigitte Bardot or look like somebody else? Mais la vérité, c'est que en réalité, ces femmes sont utilisées par les fondamentalistes islamistes pour imposer la relégation vestimentaire des femmes. Si vous souhaitez cela pour votre pays, parfait. Nous, nous souhaitons pas cela pour le nôtre. What I find really interesting about your politics right now is that while you try to reach out with your message to the French people as a whole, of course, in the run-up to the presidential election, many people in your own party are beginning to worry that you are abandoning some of the principles of the Front National. For example, in your posters, you no longer use the name of the party, you no longer use the symbol of the flame. And your own father, the founder of the Front National, Jean-Marie Le Pen, he's been on my program and he has worried very publicly that you are, to use his phrase, committing political suicide by leaving the traditions of the Front National. How do you respond to that? Enfin, nous sommes dans une opposition politique avec Jean-Marie Le Pen. Par conséquent, qu'il vienne vous dire que sans lui, le Front National va mourir, j'ai presque envie de vous dire c'est de bonne guerre. Est-ce pour ça vrai? Je ne le crois pas. Encore une fois, nous défendons les mêmes principes depuis très longtemps. Ces principes, c'est l'indépendance de la nation. Ce sont les principes qui sont inclus dans notre Constitution française. La République française est une et indivisible. Nous luttons contre le communautarisme. Nous luttons contre le multiculturalisme, car nous pensons que le multiculturalisme, c'est le multiconflit. Nous luttons pour une République laïque, démocratique, sociale, ce qui, objectivement, n'est plus le cas aujourd'hui en France. Donc nous n'avons absolument pas modifié... Did you not accept you have a problem as you try to reach out to more of the, if you can put it this way, the center-right ground in French politics? The danger is that some of those in the mainstream center-right, like Nicolas Sarkozy, for example, they try to steal your clothes. Sarkozy, according to your own father, is now taking some of your voters by being stronger on security, stronger on his message about Islam than you are.
Mais monsieur, vous êtes en train de réduire la politique à de la stratégie. Moi, je suis quelqu'un de convaincu. Je crois à ce pourquoi je me bats. Je n'ai pas à adapter mon propos à telle ou telle concurrence, et encore moins à partir dans une dérive qui consisterait à radicaliser nos propos parce que Nicolas Sarkozy vient nous dire aujourd'hui qu'il faut prendre la Constitution et la jeter à la poubelle. Car Nicolas Sarkozy, c'est toujours la même chose, c'est le verbe haut et la main molle. You say you're a woman of great principle. Where is the principle in taking huge amounts of money from a Russian bank to finance your political campaigns? You took, of course, millions of euros from the Czech Russian bank, which has since gone bankrupt, and now your own financial bosses in the party say that you need 8 million euros to fund your presidential election campaign. Are you going to go to Russia again and try and get Russian money? Vous avez une banque, non, à me suggérer? Parce que moi, j'ai demandé à toutes les banques françaises, il n'y en a pas une qui a accepté. Peut-être d'ailleurs parce que leur lien avec le monde politique est tellement étroit qu'ils se servent de l'absence de financement pour tenter de me faire taire. J'ai demandé à toutes les banques européennes. S'il y a une banque britannique qui accepte de me prêter, je remplace très simplement demain par un claquement de doigts le prêt que fera la banque britannique. The only problem with taking Russian money is that you then have to say things like I have an admiration for Vladimir Putin. You have to say things like yes, if I'm in power, I will recognize the annexation of Crimea. Non. You talk like a woman of principle, but where is the principle in that? Mais pardon, vous avez déjà fait un prêt dans votre vie? D'accord. La banque vous a prêté l'argent. Vous êtes redevable à votre banquier? Vous l'invitez à passer des vacances avec vous? Il vous donne des ordres? Évidemment que non. Tout cela est ridicule. Encore une fois, j'ai trouvé la seule banque qui a accepté de me prêter était une banque russe. Si demain c'est une banque américaine, je m'en réjouirai. Guatémaltèque, hongroise, espagnole, je me moque totalement de la nationalité de la banque qui me prête de l'argent. Moi, personne ne m'achète, monsieur. Personne. Notre position sur la Russie n'a jamais changé depuis des décennies, nous disons. Enfin, depuis, en tout cas, la chute du mur de Berlin, nous disons que la Russie est un pays européen avec lequel il faut à tout prix envisager des relations diplomatiques, des relations stratégiques, des relations commerciales. Et que nous n'avons aucune raison de nous priver de ces relations au motif que celles-ci déplaisent à Washington. Donc, ne projetez pas, si vous voulez, sur moi, des suspicions qui n'ont pas lieu d'être. Je suis une femme libre, je suis une femme indépendante, indépendante de tous les pouvoirs financiers, politiques. Je n'ai d'ascenseur à renvoyer à personne. Before we end, I have to ask you about the political process in France, because you, in the end, still face what they call here the glass ceiling. Your poll ratings are pretty good right now, and it seems that you stand a very good chance of getting... Vous savez. Oui. Bien sûr. D'accord. But the truth is, even if you get into the second round of the presidential election, nobody in France believes you can win, because the mainstream parties, the Republicans, the Socialists, will ensure that you are defeated in the second round. How can you smash this glass ceiling? Mais non, l'élection n'est pas jouée. Et je vais vous dire, la violence des attaques dont je fais l'objet démontre que, contrairement à ce que vous pensez, le système n'est pas si confiant que cela dans sa capacité à poser un de ses pions à la tête de l'État français. Et les mêmes qui vous disent que Marine Le Pen n'a aucune chance d'être élue étaient les mêmes qui vous expliquaient que Donald Trump n'avait aucune chance d'être désigné comme candidat aux États-Unis. Alors, je pense que ceux qui nous dirigent ne comprennent plus rien à ce qui est en train de se passer. Par conséquent, il ne faut plus écouter un seul des mots qu'ils expriment ni des analyses qu'ils font, car ils ne comprennent pas que les peuples sont en train de reprendre le pouvoir dans leur propre pays. Et donc leur analyse sera obligatoirement faussée, car ils ont les lunettes du système et ces lunettes sont tout à fait déformantes. Marine Le Pen, we have to end there, but thank you very much for being on. Merci à vous. Merci à vous. Merci bien. Merci.